بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أصيحابي صويحباتي أعدائي عدواتي مزلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل بيد الله سبحانه وتعالى. Sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, bonne révolution, bonne pureté, bon retour, bonne souplesse, bonne tolérance, bon ce que tu veux, mon frère, ma sœur, non-musulman, en humanité, qu'Allah t'accorde la guidée de l'islam, les délices de l'islam, qu'Allah te permette de voir la beauté, la grandeur de l'islam directement. On entre dans le vif du sujet. Un poème, quelques bonnes paroles, quelques excellentes paroles de méditation postées par notre frère Tariq Ramadan. Une poésie que notre frère bien-aimé Tariq Ramadan a postée sur sa page et qu'une administratrice de l'Oasis a postée sur la page Facebook L'Oasis de l'Excellence. Après quelque temps, tu apprendras la différence entre tendre la main et secourir une âme. Et tu apprendras que aimer ne signifie pas s'appuyer et que compagnie ne signifie pas toujours sécurité. Tu commenceras à apprendre que les baisers ne sont pas des contrats, ni des cadeaux, ni des promesses. Tu commenceras à accepter tes échecs la tête haute, comme un adulte, et non avec la tristesse d'un enfant. Tu commenceras à accepter tes échecs, la tête haute, comme un adulte, et non avec la tristesse d'un enfant. Et tu apprendras à construire aujourd'hui tes chemins, parce que le terrain de demain est incertain, et ne garantit pas la réalisation des projets, et que le futur a l'habitude de ne pas tenir ses promesses. Et tu apprendras à construire aujourd'hui tes chemins, parce que le terrain de demain est incertain et ne garantit pas la réalisation des projets, et que le futur a l'habitude de ne pas tenir ses promesses. Après un certain temps, tu apprendras que le soleil brûle si tu t'y exposes trop. Tu apprendras que le soleil brûle si tu t'y exposes trop. Tu accepteras le fait que même les meilleurs peuvent te blesser parfois, et que tu auras à leur pardonner. Tu accepteras le fait que même les meilleurs peuvent te blesser parfois, et que tu auras à leur pardonner. Tu apprendras que parler peut alléger les douleurs de l'âme. Tu apprendras que parler peut alléger les douleurs de l'âme. Tu apprendras qu'il faut beaucoup d'années pour bâtir la confiance, et à peine quelques secondes pour la détruire, et que toi aussi tu pourrais faire des choses dont tu te repentiras le reste de ta vie. Tu apprendras qu'il faut beaucoup d'années pour bâtir la confiance, et à peine quelques secondes pour la détruire, et que toi aussi tu pourrais faire des choses dont tu te repentiras le reste de ta vie. Sachant que, une fois que nous avons bâti la confiance, il faut aussi avoir l'intelligence, la croyance et la foi.
la certitude et l'excellent comportement qui nous permet de ne pas la laisser se détruire en quelques secondes. Donc chacun doit aussi essayer toujours de trouver des excuses à l'autre. Tu apprendras que les vraies amitiés continuent à grandir malgré la séparation et que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais qui compte dans ta vie. Et que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais qui compte dans ta vie. Et que les bons amis sont la famille qu'il nous est permis de choisir. Et que les bons amis sont la famille qu'il nous est permis de choisir. Tu apprendras que nous n'avons pas à changer d'amis si nous acceptons que nos amis changent et évoluent. Tu apprendras que nous n'avons pas à changer d'amis si nous acceptons que nos amis changent et évoluent. Tu expérimenteras que tu peux passer de bons moments avec ton meilleur ami en faisant n'importe quoi ou en ne rien faisant, seulement pour le plaisir de jouir de sa compagnie. Tu découvriras que souvent nous prenons à la légère les personnes qui nous importent le plus. Et pour cela, nous devons toujours dire à ces personnes que nous les aimons, car nous ne savons jamais si c'est la dernière fois que nous les voyons. Tu découvriras que souvent nous prenons à la légère les personnes qui nous importent le plus. Et pour cela, nous devons toujours dire à ces personnes que nous les aimons, car nous ne savons jamais si c'est la dernière fois que nous les voyons. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, mes amis, mes intimes, mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, je vous aime tous. Pensez à moi, s'il vous plaît. Faites-moi des doigts. Le jour où je ne serai plus là, Inch'Allah. Le Inch'Allah. Oui, tout le monde mourra. Et ceux qui ne sont pas encore musulmans, notez ça quelque part dans votre cahier. Et le jour où vous deviendrez musulman, n'oubliez pas donc vos doigts. Attention d'oublier. Attention. Tu apprendras que les circonstances et l'ambiance qui nous entourent ont une influence sur nous, mais que nous sommes les uniques responsables de ce que nous faisons. Ça c'est bien dit. C'est très profond ça. Tu apprendras que les circonstances et l'ambiance qui nous entourent ont une influence sur nous, mais que nous sommes les uniques responsables de ce que nous faisons. Tu commenceras à comprendre que nous ne devons pas nous comparer aux autres, sauf si nous désirons les imiter pour nous améliorer. Tu commenceras à comprendre que nous ne devons pas nous comparer aux autres, sauf si nous désirons les imiter pour nous améliorer. Tu découvriras qu'il te faut beaucoup de temps pour être enfin la personne que tu désires être et que le temps est court. Tu découvriras qu'il te faut beaucoup de temps pour être enfin la personne que tu désires être et que le temps est court. Tu apprendras que si tu ne contrôles pas tes actes, eux te contrôleront. Tu apprendras que si tu ne contrôles pas tes actes, eux te contrôleront. Et qu'être souple ne signifie pas être mou ou ne pas avoir de personnalité, car peu importe à quel point une situation est délicate ou complexe, il y a toujours deux manières de l'aborder, parfois beaucoup plus, parfois plus. Et qu'être souple ne signifie pas être mou ou ne pas avoir de personnalité, car peu importe à quel point une situation est délicate ou complexe, il y a toujours deux manières de l'aborder. Tu apprendras que les héros sont des personnes qui ont fait ce qu'il était nécessaire de faire, en assumant les conséquences. Tu apprendras que les héros sont des personnes qui ont fait ce qu'il était nécessaire de faire, en assumant les conséquences. Tu apprendras que la patience requiert une longue pratique. Tu apprendras que la patience requiert une longue pratique. Ou, je rajoute, ou une crainte d'Allah. Ou,
c'est pas, c'est surtout la crainte d'Allah. C'est surtout prendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. La patience et l'endurance ne sont pas données à n'importe qui. Tu apprendras que la patience requiert une longue pratique, mais c'est vrai que les expériences forgent un caractère. Tu découvriras que parfois la personne dont tu crois qu'elle te piétinera si tu tombes est l'une des rares qui t'aidera à te relever. Tu découvriras que parfois, j'enlève le parfois, je dis que souvent, la personne dont tu crois qu'elle te piétinera si tu tombes est l'une des rares qui t'aidera à te relever. Mûrir dépend davantage de ce que t'apprennent tes expériences que des années que tu as vécues. Mûrir dépend davantage de ce que tu as, de ce que t'apprennent tes expériences que des années que tu as vécues. Non, on a des gens qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, vite. Vite. Qui n'ont rien appris de la vie et qui n'ont rien appris des expériences de la vie. Mais on peut trouver des gens de 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui ont un niveau très élevé, subhanallah, de sagesse, de prise de recul, et qui ont déjà affiné leur courbe d'expérience. Allahumma ja'alna minhum. Mûrir dépend davantage de ce que t'apprennent tes expériences que des années que tu as vécues. Tu apprendras que tu tiens beaucoup plus de tes parents que tu veux bien le croire. Tu apprendras que tu tiens beaucoup plus de tes parents que tu veux bien le croire. Tu apprendras qu'il ne faut jamais dire à un enfant que ses rêves sont des bêtises, car peu de choses sont aussi humiliantes. Et ce serait une tragédie, une tragédie, et ce serait une tragédie s'il te croyait, car cela lui enlèverait l'espérance. Tu apprendras qu'il ne faut jamais dire à un enfant que ses rêves sont des bêtises, car peu de choses sont aussi humiliantes, et ce serait une tragédie s'il te croyait, car cela lui enlèverait l'espérance. Tu apprendras que lorsque tu sens de la colère et de la rage en toi, tu en as le droit, mais cela ne te donne pas le droit d'être cruel. Tu apprendras que lorsque tu sens de la colère et de la rage en toi, tu en as le droit. Mais cela ne te donne pas le droit d'être cruel. Tu découvriras que simplement parce que telle personne ne t'aime pas comme tu le désires, cela ne signifie pas qu'elle ne t'aime pas autant qu'elle en est capable. Car il y a des personnes qui nous aiment, mais qui ne savent pas comment nous le prouver. Tu découvriras que simplement parce que telle personne ne t'aime pas, comme tu le désires, cela ne signifie pas qu'elle ne t'aime pas autant qu'elle en est capable. Car il y a des personnes qui nous aiment, mais qui ne savent pas comment nous le prouver. Il ne suffit pas toujours d'être pardonné par les autres. Parfois, tu auras à pardonner, tu auras à apprendre à te pardonner à toi-même. Il ne suffit pas toujours d'être pardonné par les autres. Parfois, tu auras à apprendre à te pardonner à toi-même. Bien dit. Tu apprendras que, avec la même sévérité que tu juges les autres, toi aussi tu seras jugé et parfois condamné. Tu apprendras que peu importe que tu aies le cœur brisé, le monde ne s'arrête pas de tourner. Tu apprendras que peu importe que tu aies le cœur brisé, le monde ne s'arrête pas de tourner. Tu apprendras que le temps ne peut revenir en arrière. Tu dois cultiver ton propre jardin et décorer ton âme au lieu d'attendre que les autres te portent des fleurs. Excellent. Bien dit. Excellentissime. Tu dois cultiver ton propre jardin et décorer ton âme au lieu d'attendre que les autres te portent des fleurs. Alors, et alors seulement, tu sauras ce que tu peux réellement endurer, que tu es fort et que tu pourrais aller bien plus loin que tu le pensais quand tu l'imagines, quand tu t'imagines ne plus pouvoir avancer. Alors, et alors seulement. Tu sauras ce que tu peux réellement endurer, que tu es fort et que tu pourrais aller bien plus loin que tu le pensais quand tu t'imaginais ne plus pouvoir avancer. C'est que réellement, la vie n'a de valeur que si tu as la valeur de l'affronter.
c'est que réellement, la vie n'a de valeur que si tu as la valeur de l'affronter. C'est que réellement, la vie n'a de valeur que si tu as la valeur de l'affronter. Bien dit, bien formulé, excellemment bien dit, excellemment bien formulé. Il y a des choses qu'on peut commenter, mais j'ai pas voulu trop commenter, mais c'est vraiment bien, bien, bien dit, bien exprimé, bien formulé. Et la vie est très, 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 très intéressante si et seulement si tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala et tu comprends la raison pour laquelle il t'a créé. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Je n'ai créé les djinns et les ins que pour m'adorer. Je n'attends d'eux ni des moyens subsistance, ni qu'ils me nourrissent. D'accord? C'était une belle poésie intitulée Tu apprendras de Georges Louis Borger. Tu apprendras de Georges Louis Borger. Bien formulé. Bien formulé. D'accord? J'ai bien aimé qu'Allah bénisse notre Tariq Ramadan qui a posté ça sur sa page. C'est que réellement, la vie n'a de valeur que si tu as la valeur de l'affronter, si tu as la valeur de comprendre ton passage sur Terre. Si tu n'es pas une aberration, tu comprendras et tu seras comblé. Et tu feras le bilan de ta vie à la fin en étant heureux et en vivant une excellente vie après ta mort. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.